Good morning, Aleiden. Les tutors aujourd'hui, les Lunishmat, Peggy, Bat, Esther, Lisa, Lisa, Bat, Fred, Chazar, Bat, Mazal, Tov, Shish, Portish, Kuka, Bat, Frit, Na, et aussi Lirfouat, Amram, Yona, Ben, Chana, Betor, Shah, Chole, Israël, si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perexaïn, Mishnah, Aleph. Arba, Mitot, Nimseru, Lebet, Din. Skila, Serefa, Hereg, Vachenek, Rabbi Shimon, Omer, Serefa, Skila, Chenek, Vahereg, Zo, Mitzvat, Haniskalin. Sujet qu'on a déjà commencé à évoquer, maintenant on va l'attaquer de front encore plus dans les détails. Ce sont les quatre sortes de condamnations à mort. La Mishnah nous enseigne Arba mitot nimseu le bet din. Quatre sortes d'exécutions ont été données au bet din. Selon la avera, comme on apprendra, selon la transgression, alors la Torah a imposé d'être condamné à mort de telle manière ou de telle manière. Il y a quatre sortes de morts qui sont skila, la lapidation, srefa, brûlé, Hereg, le bûcher, quoi, enfin on va voir que c'est pas le bûcher du tout en fait. Hereg, lui, tranchait la tête, et la guillotine, dans nos termes, mais c'est pas exactement ça, comme on va tout apprendre bien sûr. Vachenek, la strangulation, soit quatre formes de. Quatre manières de le tuer. Donc ce qu'il a par la pierre, on le fait tomber d'une falaise, et après on lui jette des pierres ensuite. Srefa, on le brûle, ou encore Hereg, on lui tranche la tête. Ou encore, on l'étouffe. Quatre sortes de morts selon le niveau de Avera. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, non, c'est comme ça qu'il faut dire. Srefa, skila, chenek vahereg. Il répète les quatre sortes de condamnation à mort, mais avec un ordre différent. Qui sont srefa, d'abord brûlé, et ensuite le bûcher, et ensuite skila. J'aime pas dire le bûcher parce que c'est pas ça du tout. Mais on va dire brûlé. Ce qu'il a, la lapidation, Chenek, on l'étouffe, et après, Hereg, on lui tranche la tête, Zomizat Einskalin, telle est la misa d'Einskalin. Quelle est la discussion entre Tanakam et Rabbi Shimon? C'est tout simplement de savoir la gravité des morts. Selon Tanakama, la plus grave des morts, c'est la lapidation, et ensuite, c'est la srefa brûlée, et ensuite, c'est Hereg lui trancher la tête, et ensuite, c'est Chenek, la strangulation, l'étouffer. Tandis que Rabbi Shimon, l'ordre change deux fois. 1 et 2, ça devient 2 et 1. Et 3 et 4, ça devient 4 et 3. D'accord? Ça fait donc Srefa Skila. Brûler, c'est la plus grave des morts. Et ensuite Skila, la lapidation. Et ensuite Renek, le fait de la strangulation, l'étouffer. Ouais, lapidation, et maintenant c'est Renek. Donc, strangulation, et après Hereg lui tranchait la tête. Zo mitzvat haniskalin. Telle est la mitzvah des niskalin. On va expliquer cette phrase ensuite. Pour le moment, on s'intéresse à la machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Nous, on connaît bien dans les tfilot, on tient la halakha comme Tanakama, que ce qu'il a, c'est la plus grave des mitzvot. Comme on le dit dans les tfilot de Yom Kippour, à la fin du halchet, ce qu'il a, c'est refa, hereg, vechenek. Comme ça, on le dit parce qu'on tient la halakha comme Tanakama. Dans la synagogue de Rabbi Shimon Bar Yochai, apparemment, il le chantait différemment. Il disait, c'est refa, ce qu'il a, chenek, vahereg. Ça sent pas bien, apparemment, il n'était pas marocain, Rabbi Shimon. Mais en tout cas, quelle est l'importance de savoir quelle est la mort la plus grave? Ben, tout simplement, quelqu'un qui transgresse une même avéra, une avéra où on est passible dedans deux sortes de morts. Ça peut exister, par exemple, un enfant qui irait avec sa mère, une inceste. Alors elle a un triple problème, cette madame. Elle est mariée, c'est une femme mariée, elle est mariée à son père. C'est la femme de son père, et c'est aussi sa mère, tout simplement. Ça fait trois formes d'inceste. Alors, selon le cas, on apprendra quelle condamnation à chacune de ces avérotes. Selon le cas, on choisira la plus grave. Pour peu que, c'est un peu stupide à dire, mais on pourrait le dire, pour peu que sa mère, elle était Betula, elle était vierge, c'est pas possible puisqu'elle lui est née. Mais supposons, par exemple, non, parce que la femme mariée Betula, ça existe, tant qu'elle est encore fiancée en fait, alors on est Chayav Skila sur elle. C'est une mort où on sera condamné en Skila. D'accord, je prends un exemple, ça peut être sa sœur qui est en même temps fiancée, après Kiddushin, pas Nisuin, et qui est encore Betula, elle est encore vierge. Dans ce cas-là, il y aura un Chiyuv Skila, parce qu'elle est fiancée. Alors dans ce cas-là, on lui donnera la Skila. On ne lui donnera pas les autres méthodes qui peuvent être, selon le cas, Chenek, plutôt en général. D'accord, c'est clair. Donc c'est là l'importance de savoir quelle est la mort la plus grande. Strefa, c'est typique à la Bat Kohen chez Zinta. Bat Kohen chez Zinta, une fille de Kohen, qui était jeune fille, qui était en fait fiancée, qui était encore Betula, fiancée uniquement, et si elle a trompé son fiancé, son mari, alors elle a un statut spécial d'être brûlée, bisrefa. Alors là, on lui donnera
Non, il y a des halakhot, on évoquera tout ça, d'accord? Donc telle est l'importance de savoir le cas classique qu'on rapporte dans la Gemara, par exemple, c'est toujours le cas de celui qui tue pendant Shabbat. Tué, on est chayav. Ereg, ouais, si je ne me trompe pas, Ereg. Et donc on lui fera un doigt, lui trancher la tête. Maintenant, si tu tues pendant Shabbat, la transgression de Shabbat elle-même, c'est un chiyuv skila, lapidation. Et de ce fait, sur une même avera, on lui donnera le chiyuv skila. D'accord? Le principe est clair. C'est ça l'intérêt d'avoir les quatre hors de la Mishnah. On fait très rapidement le porte noir. Arba mitot skila sreifa hereg vachenek. Ah, j'ai une dette avec la dernière petite phrase, on le dira après. Quel est l'intérêt donc? Skila chamura misreifa. La lapidation est plus grave que le fait de brûler. Veshten mehereg. Les deux sont plus graves que le fait de trancher la tête. Veshloshtan mehenek. Et les trois sont plus graves que d'étouffer. Quel est l'intérêt? Venafkamina, l'intérêt de tout ça. Les Mishin chayev shten mitot. Celui qui a été passible de deux condamnations à mort de niveaux différents, laquelle lui donner? Des kaimalan, des nidon bechamura, car la halakha nous établit de le juger selon la mort la plus grave. Alors on lui donnera, en l'occurrence, s'il y a eu les transgressions du Shabbat, en plus de le tuer, alors on le jugera sur l'interdit de Shabbat, on le condamnera à mort parce qu'il a. D'accord? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, oui, rapporte le patron de que Rabbi Shimon l'a rapporté, il a changé l'ordre. Ven alacha que Rabbi Shimon, la halakha n'est pas établie comme Rabbi Shimon. Maintenant, qu'est-ce que c'est cette dernière phrase? Zo mitzvah taniskalin, telle est la mitzvah taniskalin, où la Mishnah se finit ici. Tout simplement, fin du Perek Vav, jusqu'à maintenant, on t'a explicité longuement la mitzvah taniskalin, comment le lapider, de quelle hauteur de falaise, qui devait le pousser, qui devait jeter la pierre, ensuite tout le Am Israël. On avait pris la bâtonne de détails dans la Mishnah précédente. Et maintenant, donc, la Mishnah conclut. Zo mitzvah taniskalin, jusqu'à maintenant, t'as pris la mitzvah des lapidations. Et à présent, on va voir les autres forme d'exécution, et puisqu'on a beaucoup de temps devant nous, on a eu un shiur court, et on va voir une Mishnah d'Alet qui sera très longue à expliquer, si on veut bien la comprendre, alors je préfère prendre un petit peu d'avance, et on commence aussi la Mishnah bête, on va essayer de la faire tout entièrement, Bezrat Hashem, on va voir les faire Matzav. Mitzvat anisrafin, hayu meshakin oto bazev el adar kubotav, venotnin sudar kasha aleto chavaka, vekorech al tsevaro, ze moshe cheslo, ve ze moshe cheslo, ad shepoteach et piv, umadlik, את הפתילה וזורקה לתוך פי ויורדת לתוך מאב וחומרת את בני מאב. On commence déjà à expliquer. Telle est la mitzvah des nisrafin. On avait traduit ça, le fait de brûler, ce qu'on appelle vulgairement le bûcher. Mais en réalité, dans la Torah, on ne tue pas quelqu'un qui est passible d'être brûlé en le brûlant à l'allumette, au bûcher, quoi. Mais de quelle manière on le brûle? On apprend ça de la mort des enfants de Nadav Aviou, des enfants de Aaron HaKohen. Là-bas, quand ils avaient fait entrer le Esh Zara dans le Kodesh HaKodashim, ils ont fait entrer un feu étranger à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il y a eu là-bas une flamme qui est sortie et qui leur est rentrée dans les narines et qui leur a brûlé tout de l'intérieur, mais extérieurement, ils sont restés intacts. D'accord? Et la Torah les appelle « Chol b'nei Israël yivku et asrefa asher saraf Hashem » Tel est le verset là-bas mentionné. Qui explicite qu'ils ont été brûlés. Or, extérieurement, on ne voit rien qu'ils ont été brûlés. Ils ont au maximum un petit peu de charbon autour des deux narines, parce que leur neshama, tout a été brûlé de l'intérieur. Je ne sais pas concrètement, est-ce que les membres internes ont été brûlés, ou c'est juste leur neshama qui est sorti, je ne sais plus. C'est sûrement explicité dans les commentateurs. Là n'est pas mon problème pour le moment. Et donc, en l'occurrence, on apprend que brûler dans la Torah, on peut brûler en laissant un corps extérieurement intact, et on brûle tout de l'intérieur. De là, on va déduire qu'on le brûle de la même manière lorsque quelqu'un qui rêve d'être brûlé, on va le brûler donc par l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait? Le faire entrer une allumette, ça ne tient pas. Donc, on a une autre solution. On va faire chauffer du plomb. On va le liquéfier. On va le faire entrer dans le gosier et ça va tout rentrer dans son ventre, dans ses tripes, dans ses membres intérieurs et ça va tout brûler de l'intérieur et comme ça, il va mourir. D'accord? Et ça s'appelle une sreifa. Extérieurement, on le laisse intact. D'accord? De quelle manière on va procéder? Le principe, ça va être clair. Dans la Mishnah, il y a juste on va découvrir une marloquette technique entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Comment lui ouvrir la bouche? Vous imaginez bien qu'il risque d'être réticent. On risque de lui faire tomber le plomb brûlant sur le corps. Il risque de se brûler, peut-être même de mourir en étant brûlé. Mais extrêmement, c'était pas le but, on voulait pas en arriver là. Donc comment faire pour lui ouvrir la bouche? Et la Mishnah nous enseigne. Mitzvah Tanisrafin, telle est la mitzvah de... qu'on accomplit lorsque l'on condamne à mort en brûlant. Hayom eshakein oto bazev el adar kuvotav. On le faisait entrer dans du fumier jusqu'au genou, de manière à ce qu'il ne va pas bouger. Dans du fumier, c'est précisé dans le Tiferet Israël, et c'est le seul qui le dit. On le mettait dans du fumier pour l'humilier un peu plus, comme ça, ça lui rajoute dans l'accaparat. Il y a de quoi discuter, est-ce que oui, est-ce que non, lui-même il en parle. En tout cas, c'est pour ça qu'on a choisi du fumier, c'est souple,
c'est un peu des sables mouvants, en plus de ça humiliant, on le met dedans et comme ça il est bien bloqué, il ne va plus bouger. On a intérêt à ce qu'il ne bouge pas parce que sinon on risque de foirer le coup, lui faire couler le plomb ailleurs et donc on ne veut pas que ça arrive. Donc on le bloque bien comme ça. Et ensuite, Venotnin Soudar Kasha Letor Araka. On lui donne, on va prendre maintenant Soudar Kasha Letor Araka. Littéralement, un foulard dur, enlevé dans feutre en fait. Letor Araka dans un foulard plus souple. Soit on va prendre, si on peut parler plus vulgairement, une corde dure, rude, et on va l'entourer avec un autre foulard, on va le recouvrir, en fait, la recouvrir d'un foulard plus souple. De telle manière à ce qu'on peut bien forcer, comme ça on apprendra aussi qu'on va faire la strangulation, avec le même type de procédé. On veut que ce soit dur pour bien l'égorger, parce qu'un foulard souple, on ne va pas pouvoir l'égorger avec un foulard souple, ça ne va rien lui faire. Ça va juste le tendre, ça va être un petit peu désagréable, mais en tout cas il ne va pas mourir ainsi. Et là, il ne va pas ouvrir la bouche. Notre but là pour le moment, c'est de lui faire ouvrir la bouche. Si on force plus, ça va être la strangulation, ce sera la Mishnah Gimel. Mais en tout cas, pour le moment, donc, on veut qu'il ouvre la bouche. Si on prend un foulard trop souple, ça va tenir. Si on prend uniquement le foulard ou la corde rigide, on risque de l'écorcher le corps pour rien du tout. Le but, c'est pas de lui faire mal, le but, c'est de le tuer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette solution. On va prendre la corde dure et on va l'entourer avec un foulard plus souple. Le corps Khaltsavaro. J'ai cherché des Mishnayot dessinées, mais je me suis dit que c'était souvent dans les films d'horreur qu'il fallait les trouver, donc je n'ai pas trouvé. C'est ce que j'ai pu lire et comprendre à partir des textes, d'accord? Je ne sais pas si... Bon, je vous explique ce que j'ai compris. Zé Mosher, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a fait cette super corde dure et souple en même temps, alors on le met autour du cou, et on a les deux témoins qui sont là. Zé Mosher Hetzlo, Zé Mosher Hetzlo, l'un il tire et l'autre il tire. Pas trop fort, on ne veut pas l'étouffer, on ne veut pas l'étrangler. On veut uniquement qu'il ait une pression tellement forte sur la bouche, sur le gosier, qu'il va ouvrir la bouche. Et alors là, au madlik, il ne faut pas dire alors là. Ça me dit ne pas dire alors là. Alors, en tout cas, au madlik est petit là. On allume la mèche, vezorka les torpives, et on la jette à l'intérieur de sa bouche, veyoreda les torméav, et elle va tomber, cette petite-là, si on traduit littéralement, cette mèche brûlante, elle va couler à l'intérieur de l'étorméav dans ses tripes, vechomeret et bene me'av, elle va carboniser, brûler tout son intérieur, ses entrailles, et il va mourir ainsi brûlé. Ça, c'est ce que j'ai compris sur l'histoire, si je lis et je traduis littéralement. Mais je vous l'ai dit, c'est assez compliqué à comprendre. Le Tiferet Israël, il explique ça différemment. Il explique qu'en réalité, c'est pas une fois qu'on est en train de dégorger, on commence maintenant à essayer d'allumer la mèche. Le pauvre, pourquoi il est en train de souffrir? Mais plutôt, il parle même pas de mèche, le Tiferet Israël. Il parle uniquement de plomb déjà liquéfié, bouillant. Et alors là, on commence à l'égorger, et puis ensuite, on va lui faire couler ça dans le corps. Il y a plus de petits là, je sais pas comment il interprète. Je vous ai dit, j'ai pas vu de Mishnah dessiné. Malheureusement ou heureusement. Vezorka et Torpiv, on a fini avec Tanakama. On fait rapidement Rabbi Yehuda maintenant. Rabbi Yehuda Omer, Afhu imet beyadam lo ayu mekaymit et bo mitzvat sreifa. Elle a potré ne piv bitzvat shiro betovato. Madine katabtila, Vezorka et Torpiv, Yoreda de Torméav, Vezorka et Benemav. C'est le même principe, sauf que Rabbi Yehuda, il a un problème. Il dit non, c'est quoi cette histoire là? Vous allez utiliser cette fameuse corde qu'on apprendra dans la Mishnah Gimel que c'est celle qu'on utilise pour faire la strangulation pour l'égorger, ça va pas non? Nous, on doit lui faire une mitzvah tsrefa, de le brûler, et on ne doit pas l'égorger, on ne doit pas l'étouffer. D'accord? On ne doit pas l'étrangler. Alors, vous me dites d'utiliser cette corde, et si toutefois les témoins, ils sont un peu trop pleins d'émotions, ils tirent un peu trop fort, ils vont l'étrangler, on aura raté toute la mitzvah de la Torah. Notre mitzvah, c'était de lui faire la tsrefa. D'accord? Afhu immet beyadam lo ayu mekaymin bo mitzvah tsrefa. Même lui, s'il va mourir dans leurs mains, il va s'avérer qu'il n'aura pas accompli la mitzvah de Sreifa, son tikkun. Ouais, sa réparation maintenant, après la vera qu'il a fait, c'est d'être Sreifa, d'être brûlé. Alors quoi? Elle a potrine et puis bitzvat, on lui ouvre la bouche avec une pince. Shelo betovato. Si toutefois il fait des problèmes, s'il est gentil, il ouvre la bouche, il ne bouge pas, tant mieux pour lui. S'il commence à faire des problèmes, on prend la pince. Et on lui écarte la bouche, et on m'a dit qu'à ta petite là, mais alors là, on allumera la mèche,
de plomb, vezorkelet en pibe, on le fera jeter, on le jette par l'intérieur de sa bouche, vezorkelet et torméav, elle va tomber à l'intérieur de ses tripes, de ses entrailles, vechomeret et benéméav, et elle va brûler toutes ses entrailles. Amar Abelezer ben Tzadok. Abelezer ben Tzadok dit, Maase bebat kohen achat chezinta. Abelezer ben Tzadok raconte une histoire et nous dit, mais je me souviens, moi j'avais entendu cette histoire, soit qu'il l'a vue directement, soit il l'a entendue de son grand-père. Je me souviens d'une histoire d'une fille de Kohen, Shezinta, qui a trompé son mari alors qu'elle était fiancée. Donc on a dit, Fiyo Sreifa, et je me souviens très bien de ce qui s'est passé là-bas. Veikifwa Chavilez Mourot, et ils l'ont encerclé de Chavilez Mourot, des troncs d'arbres, des branches d'arbres. Ousrafwa, ils l'ont brûlé, donc ils l'ont brûlé, sur le bûcher, comme les Goïms ils l'ont fait, malheureusement pendant des années aux Juifs. D'accord ? Et les kifouas, les chavilés zmourot, ils l'ont brûlé avec des branches de zmourot, des branches d'arbres, et comme ça ils l'ont brûlé, extérieurement, pas intérieurement. Amroulo, donc, il vient contester, il dit non, vous voyez bien que donc, brûler, il faut brûler complètement, cramer, carboniser, incendier. Amroulo, ils l'ont rétorqué, chramim, non, mipne shelo ya beddin shelo tashab, qui, non, tu m'apportes une preuve, c'est vrai qu'ils ont peut-être fait ça à leur époque là-bas, mais c'est parce qu'ils connaissaient bien, là, pas bien la halakha, ce beddin. Ils se sont trompés sur la mitzvah de Sreifa, c'était pas nécessaire d'en faire autant, il fallait uniquement la brûler de l'intérieur, comme ce que l'on a explicité. On fait très rapidement le Bartanora, mais chacun auto, on le faisait, on le plantait à l'intérieur du Zevel, d'accord, dans le fumier, Shaloit Hape Hanava Anna, qu'il ne se mette pas à bouger, à se retourner par-ci et par-là, il va avoir trop peur, peu importe, ça peut être des réflexes naturels, c'est pas qu'il est mauvais, qu'il veut pas mourir ainsi, il veut mourir. Il veut accomplir sa mitzvah de se faire tuer, mais malgré tout, il y a un réflexe naturel de fuir. Donc pour ne pas qu'il bouge, on va le fixer à l'intérieur de ce fumier. Et notre crainte, c'est que s'il va se mettre à bouger, on va lui faire tomber le plomb, la ptila, la mèche, sur sa chair, et il va brûler extérieurement. Alors, quelle est la solution de faire? On met un foulard, kasha letoch haraka, un dur dedans, à l'intérieur d'un souple. Kochin soudar kasha letoch haraka. On prend un soudar caché, un foulard dur, et on est korer auto. On l'enveloppe à l'intérieur dans un souple, caché mi bifnim la chanok, le dur à l'intérieur, comme ça va bien étouffer, veraka mi bachutz la agin, et la souple extérieurement pour quand même le assouplir la rigidité, d'accord, le fait qu'il soit trop dur, le foulard, la corde ou peu importe. Et à ptila, on allume la ptila, c'est quoi ptila? Ptila shel evar madlik, il allume une mèche de plomb. Au matir le torpive, il l'a fait couler à l'intérieur de sa bouche. On a l'impression de Bartanora qui veut dire qu'on prend une mèche de plomb, qu'on l'allume et qu'on fait couler au goutte à goutte. Apparemment, c'est ce que le petit frère d'Israël n'a pas accepté et qu'il a expliqué donc qu'on faisait fondre auparavant et qu'on lui versait du plomb déjà fondu. Ensuite, il s'est fait une fondue. Vechomeret, je suis joyeux ce soir. Vechomeret, ce matin, excusez-moi, vous écoutez le cours le matin chez vous. Vechomeret, vechomeret, donc ça brûle tout à l'intérieur. Kovetzet, la shon chamar marou, c'est le fait que ça fait, c'est kovetz, ça va tout cramer, faire brûler. La shon chamar marou, mes tripes se sont, il y a un passage comme ça dans Yecha, maï chamar marou, mes tripes se sont contractées. Vialfinan mibne aron, nous on apprend en tout cas que c'est la manière de brûler quelqu'un. Vialfinan mibne aron, on apprend ça du passouk avec les bne aron, nadav aviyu, shenehemar bahem, qui les dit à leur sujet, bechol betzrel ilku et asreifa, tout le âme Israël pleurera les enfants brûlés, velon israfu gofatam, diaktiv veir 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 krevu veisarum bekotenotam. Comme le pasouk dit, on déduit là-bas qu'ils n'ont pas été brûlés leur corps extérieurement, mais uniquement l'intérieur. Car le pasouk nous dit ensuite que Michel et Tzafan, les cousins, ils sont eux qui ont été chargés de les sortir, et ils les ont portés. Des coutes notam avec leurs vêtements, même leurs vêtements ils n'ont pas été brûlés. A Hanami, ici aussi, mitkayemet mesatsrefa, afalpishan anisrafin, ela pene meen bilva de achia diftei. Idem encore, on le fera la misa de Srefa, bien que ne soit brûlé que l'intérieur, et c'est ainsi que c'est mieux de faire. Pourquoi? C'est mieux de faire, dirti vavtaler rakamocha, moro lo mitayafa. Comme le verset nous dit, vavtaler rakamocha, tu auras ton prochain comme toi-même. De là, c'est un principe qu'on a rapporté plusieurs fois. Moro lo mitayafa, certes, il faut le tuer, mais de la manière la plus propre, sans bavure. Af hu im met beyadam. Et ça, c'était Rabbi Yehuda qui se plaignait, qui disait, mais non, si on le tue de la sorte, ils vont l'étouffer. Klomar, im ayamet beyadam, aledechanikatam, kotem zrikatabtila. Si toutefois, il mourrait
avant de jeter le plomb à l'intérieur de son gosier, il s'avérera qu'il sera mort, Bechanika, en étant étranglé. Et c'est pas ce qu'on voulait faire. Loayu mekayemin mitzvah srefa, ils n'auraient pas accompli la mitzvah de srefa, de le brûler. Nefikach loayu chonkin moto, c'est pour ça qu'on le fait, on ne lui touchait pas du tout au cou. Mais quoi? Et la poterine et piv bitzvat, on lui ouvrait la bouche avec un tzvat, une pince. Regardez comment nous les Français, on a la chance que quand on rencontre des lazerachi, on comprend ce qu'il écrit. Il y a marqué tenaille. Il y avait des problèmes de lettres, il y avait des gens qui ne parlaient pas le français qui recopiaient, ils ont rejeté des lettres, ils ont mis aux yeux. Mais en tout cas, c'est tenaille, d'accord? Tenaille. Belaz, ven el rabbi Yoda, la reine n'a pas été appelée comme rabbi Yoda. Et après, l'histoire avec Rabbi Zorber Tzadok qui raconte, qui témoigne qu'à l'époque, ils avaient brûlé vive une fille de Cohen. Et sur ça, ils lui ont répondu, Chamim, Shaloaya Beddin, Shalota Shahab, à qui le Beddin de cette époque n'était pas Baki, n'était pas expert. Tzdokin ayou, regardez, pire que ça, c'était des Tzdokin, des. En français, ça dit des Sadducéens, hein, ceux qui croient. Shen Laem, Gzara Shava, Elaka, Kemashmao. Ces idiots interprètent que la Torah écrite, telle qu'elle est écrite, c'est pas que c'était des Amars, des juges qui connaissaient pas bien la Halakha, mais c'était des Tzdokim, des gens qui étudiaient la Torah écrite et pas la Torah orale. Ils ont tout contesté de toute la Torah orale, et de ce fait, ils se sont trompés. C'est tout pour je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.